Salut la team NatDev Design. Aujourd'hui, on va faire simple et percutant. Comment ajouter un drapeau à votre visage avec Photoshop? Restez branchés jusqu'à la fin, c'est ultra rapide et créatif. On commence. Alors, comme d'habitude, on va importer nos images qu'on va traiter. Donc là, je vais récupérer mes deux images qui se trouvent au bureau. Voilà, et puis je l'importe au niveau de mon espace de travail. Voilà. Donc maintenant, je vais désactiver le premier calque ou bien le première image qui est le logo. Autant pour moi qui est le drapeau. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à détourer l'image de cette fille ou cette femme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va, comme d'habitude, utiliser les outils de sélection. Donc, vous connaissez déjà. Je vais choisir l'outil plume. Et puis, on va commencer à détourer rapidement le visage de cette femme. Donc, maintenant, on continue. Je vais aller un peu vite au niveau de ce détourage. Voilà. Voilà, maintenant nous avons fini notre détourage pour cette partie. On va maintenant essayer de détourer la bouche. On va essayer de détourer la bouche. Donc, on fait la même chose. Essayer de détourer aussi les yeux. On fait la même chose. Voilà, nous avons fini notre sélection. Parfait. Donc ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de dupliquer le premier calque de la dame. Donc pour ce faire, vous cliquez sur CTRL-J, c'est la commande CTRL-J, ou bien vous déplacez juste le calque vers l'icône plus pour le dupliquer. Vous pouvez aussi cliquer droit et puis chercher dupliquer le calque. Donc voilà, dupliquer le calque. Maintenant, une fois fait ça, vous appliquez la sélection, ensuite créez le masque de fusion. Donc, vous pouvez désactiver le calque qui est en bas, le premier calque. Donc, vous verrez que nous avons le masque de fusion dupliqué. Vous l'activez ici. Maintenant, vous cliquez sur CTRL-T pour agrandir le calque, le drapeau. Et puis maintenant vous essayez de centraliser le drapeau ou bien de l'adapter au niveau de l'image du visage. Voilà, donc faites comme moi, comme ça, voilà, pour bien l'adapter au visage de la dame. Ensuite vous cliquez entrée. Ensuite, vous venez au niveau du type. Bien sûr, vous sélectionnez le drapeau. Vous cherchez le type produit. Vous voyez que le type produit s'adapte bien. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça, la magie, c'est opérer. Automatique. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est ultra rapide et efficace. Thank you.
c'est ici que notre vidéo prend fin. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Partagez au maximum et surtout de vous abonner. Ça me fera beaucoup plaisir. C'est gratuit et aussi, ça aidera la chaîne d'évoluer. Allez, on se capte à la